Bonjour, bonsoir à Haïti, tout un ami, frère, accès, compatriote, tout un collaborateur qui connecte nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora. Bonjour, bonsoir à fanatique. Bonjour, bonsoir à internaute et tout un fidèle branché Channel ça. Moi, écoute, ensemble avec vous. Si vous la caillou, notre travail, dans la rue, quel que soit côté ou connecté plateforme ça, moi, salue vous. C'est yon coquin chen plaisir qui m'a connu en de foke nous pour nous rentrer la caillou jeudi lundi qui 3 juillet 2023 pour nous partager avec vous toute information, toute nouvelle capable bouleverser la ville et pays d'Haïti. N'aimé quoi, zamio, serviteo, merci Dieu. Nous pourrons la retransmettre et pour vous. Et journal la créole, Méga Matin, genre, nous tout, nous connaissons. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien, gain sous la Tébéni, avec staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Wokouti, Radio Méga, Go Radio, l'IFE 5. Heures du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, tant pour Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Lundi 3 juillet 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier paraître journal là pour semaine là. Mais tout pour mois juillet, déjà nous avons bon mois d'informations sur antenne Radio Méga. Journal Méga Maté qui rentre la caillou, un journal qui est possible grâce à Clévé Capé, toute équipe, ça, la nouvelle là. Coordination à rédaction, Jean-Philippe Massé, en touche technique, Marcel Joseph. Micro-présentation Jean-William Sever avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-William Sever, Marcel Joseph, mesdames, messieurs, sous antenne Radio Méga, puis gros réseau radio haïtien dans le monde là. Bonne semaine d'information. Nous avons quelques principales titans pour développer dans le journal la matin. La police a annoncé l'arrestation de deux membres gang titanien qui c'est Pierre Jean-El Prade Junior avec Joaquin Porto Toussaint. Joaquin Porto Toussaint était impliqué dans un assassinat sous le lac Georges, selon la police. Phénomène bois calia continue à faire chimer dans un pays. Population à Gantier passe en bas d'Ifé samedi 1er juillet 2023. Miguel Lacombe et Michel Richardson. DVC Sao tape tenter rentrer République Dominicaine. D'après ça, le facteur Haïti fait quoi? Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit que gros cassé face aux gangs encerclés les capitales là. Ça capi grave la gang utilisé violence sexuelle pour créer la pérèse dans quartier. Chef ONU a des conseils sécurité a autorisé déploiement immédiat en force sécurité internationale robuste qui vient aider la police à combattre gang. Le secrétaire général ONIAN qui était visité Haïti samedi passé à Dilchita parlé avec le premier ministre Ariel Henry, membre HCT à quelques acteurs politiques dans la société civile là. Antonio Guterres mandé à acteurs mettre intérêt personnel sous côté pour jouer une solution à crise là qui a mené un gouvernement unité nationale. Yon jour après visite secrétaire général ONIAN, directeur général à IPNH la Fonsel B. Chita parler hier dimanche là avec le secrétaire général adjoint affaires politiques des Nations Unies, Rosemary Di Carlo. Discussion de Chita sur possible avec des forces multinationales qui ont aider la police en combat à gang. Plusieurs succès politiques ont déjà réagi sous visite chef ONI en un pays. Mouvement point finalement des secrétaires général ONI en penché sous fonctionnement corps groupe là qui a fait ingérence dans le pays d'Haïti. Ulysse Jean Chéner a appelé pays ça pas innocent dans pourrissement crise là en d'un pays. Grève la redémarré dans cette hydroélectrique Pelig, employeur a réclamé 6 mois arrière de salaire. Autorité yoté promette yo pas de premier levé campé. Gouvernement terré ici baille yon seul mois sous 5 yota mandé. Grève ça déjà gué pas sous plateau central à capitale. Souffle pour Haïti, c'est sous thème sa ministre Chekina qui a dirigé papa Grégory Toussaint a annoncé yon marché pacifique dans le pays international là pour 9 j
Pierre Capé Vinlan. Objectif mouvement ça, d'après Grégory Toussaint, c'est attirer l'attention internationale là sur situation sécurité pays qui connaît dernier temps ça yo. Sur espace 8 jours, Commission nationale subvention pétrolière ciblée a bouclé première phase à collecte données dans le département du pays. Environ 1500 machines déjà enregistrées dans le département ça. D'après représentant commission dans le département, du mais sur ce qui s'allait collaboration toute autorité dans le département si là. La douane collecté 10 milliards gouttes sous mois juin. Il y a un nouveau record pour responsable AGDO qui croit ça. C'est un résultat bataille mené contre corruption dans différents bureaux douaniers. Scandale dans ONA, ULCC et DCPJ décidé d'enquêter. ULCC convoqué plusieurs cadres parmi eux, directeur financier Pierre-Fontaine Lubin, DCPJ à travers bureaux affaires criminelles, Vletande, directeur logistique institution Michel Sefleur sous dossier faux plaque d'après information. Dans le commencement du journal, là, on prend direction la rue avec divers collaborateurs. On a du escope capable de traverser ou pas. On a oublié de traverser sans compter capsule santé, information météorologique et puis prix manger. C'est pour savoir divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. Red Manchin après tout. Nous avons une information, ça, il y a deux membres de gang titanien qui à la police dans Sodo posé la patte sur eux. La police dans la commune Sodo, département Saint-Pays, interpellé jeudi, Pierre-Jean Elprade Junior avec Joaquin Pato Toussaint, qui respectivement gagne 36 à 37 l'année, tous deux ces membres gang qui a opéré dans Titanien, une commune qui situe dans le nord capitale pays d'Haïti. Quant à Joaquin Pato Toussaint, il était impliqué dans l'assassinat citoyen Wolak Georges, jeudi 17 novembre 2022, dans la localité Orangé, pour qu'on ait là un garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. Toujours dans sa queue avec la police, en nous baron information, ça, amis auditeurs, Jean Nonté annoncé ça dans le titre journal là, gain de présumés bandits, population n'a gantier racheo, deux jeunes hommes qui, c'est Miguel Lacombe avec Michel Richardson, membre de la population raché au samedi 1er juillet 2023 dans Gantier parmi eux, Yurgayoun Ladin qui t'a tenté pour rendre la République dominicaine pendant ça là lui-même était cible pendant une fouille et policière dans Gantier commune département qui trouvait dans l'ouest pays d'Haïti, mais chasse avec bandits qui suspecte nègre individu qui suspecte qui t'a membre gang yo à poursuivre pour preuve 3 jours après la police a été stoppée dans bonnet 18, 3 présumés bandits gang 4 Samaozo, maintenant population rachée samedi 1er juillet à deux autres individus. De jeunes saillots, c'est Miguel Lacombre et Michel Richardson, d'après information agence presse en ligne. Le facteur Haïti joint bon côté autorité locale. Yo arrêté yo pendant yon tap sorti tap tenté pour capable rendre République Dominicaine pendant yon fouille routine qui initié par policier sur route Malpasse. Après interpellation, yo t'est conduit la police a été conduit dans tribunal de paix Gantier pour t'être capable tendre yo. Pendant yo tap sorti dans tribunal là, population prend yo nan men la police rache yo a kout manchette d'après diverses informations. Nous a pas toujours rete sous même information sa yo. Nous prenons avec rencontre ça qui était gagné entre la DGPNH là. Nous prenons plus de détails sur ça en attendant nos jeunes collaborateurs qui dans la rue te gagné rencontre entre DGPNH là avec l'autre responsable dans l'ONU. Nous prenons permettre de gagner plus de détails sur ça, amis auditeurs. Et après ça, pour nous capables de prendre la rue pour nous dire est-ce que WAP capable de traverser sans difficulté, amis auditeurs. Nous connaissons et nous toujours fait ça pour chaque matin
pour capable ba ou tout détail dans un journal là. Jean-Noël Abdoulan, nous calvini avec rencontre ça qui t'es gagné pendant le week-end, mais après plo avant t'es gagné secrétaire général Nations Unies qui était en un pays samedi qui t'a rencontré diverses personnalités et avec notamment personnalités politiques mais tout gagné l'autre responsable dans Nations Unies eux-mêmes qui t'a rencontré avec DGPNH pour être capable de discuter sur un possible déploiement force et en Haïti pour capable appuyer PNH là. Gagné une rencontre qui t'est faite entre France LB avec secrétaire général adjointe affaires politiques ONU, madame Rosemary Di Carlo, directeur général à IPNH national là, t'es gagné une fructueuse rencontre avec secrétaire général adjointe affaires politiques à consolidation la paix ONU, madame Rosemary Di Carlo, dimanche 2 juillet dans direction générale PNH là, pendant rencontre ça qui a été déroulée sous plusieurs points parmi une situation sécuritaire pays d'Haïti avec arrivée une éventuelle force multinationale en appui avec PNH là. Commandant en chef France LB était accompagné membre au commandement. Madame Rosemary Di Carlo renouvelle l'engagement organisation Nations Unies pour porter plein soutien là, dans le cadre de rétablissement de la paix en Haïti. DGAIPNH à France LB était profité pour faire une présentation globale état sécuritaire paysan, résultat qui était fait bon côté PNH dans la lutte qu'a mené contre gang armé yo. Et puis défi qui rencontré par institution policière dans l'instauration du climat de paix à travers le pays. Après rencontre la directeur général AI en France, LB souligne l'importance renforcement capacité opérationnelle PNH dans l'idée pour capable continuer à lutter efficacement contre grand banditisme sous toute forme. Et puis, il y a un policier Marc Etienne Joseph Limam qui était responsable prison civile Gonaïve là. Il a arrêté le vendredi 30 juin 2023. Il a reproché lui parce qu'il a libéré un citoyen qui s'est Jétro Maximilien dans place Jétro Mac Simé. N'a toujours été avec information qu'il y a avec la police n'a absouti Gonaïve Daniel nous praler dans Tigouave agent force l'audio procédé à l'arrestation de homosexuels des jeunes garçons et qui n'a Tigouave alors il y a un grand monde là sont mineurs vendredi 30 juin 2023 c'est un adolescent 16 l'année avec l'autre garçon qui s'est roulé Simplice son grand monde selon information qui rapportée par plusieurs médias locaux adolescent confirmé il était couché avec Ronel Simplice qui a 41 l'année victime n'a révélé il a accepté coucher avec lui parce que Ronel Simplice t'a proposé 2500 gourdes en échange yon montant et Ronel Simplice pas de bail ça qui t'a pas le conduit avec arrestation Roulnet Simplice 41 l'année qui a décidé de coucher avec ti adolescent à 16 l'année les promesses il a payé 2500 gourdes yon promesse qui pas kembe ça qui t'a bal conduit avec arrestation Roulnet Simplice avec adolescent en 16 l'année si là. Matin, il y a une insécurité a fait partie en plan international là pour mettre pays d'Haïti en bâtitel. D'après sa porte-parole OPL là, fait quoi Daniel Syriac, porte-parole OPL là, rappelé pouvoir rejeter différentes propositions pour résoudre problème insécurité a. Yo campé face mouvement bois calé à tout qui t'a porté partie en solution pays a. D'après Daniel Syriac qui fait connaître ces raisons ça international là a roulé pays a dans farine à cause assistance militaire pendant situation insécurité pays à empiré l'itena micro romanais samedi gagné de approche qui t'a capable attaquer insécurité à telle que proposition que des experts en matière de sécurité fait déjà dans la société à et des groupes politiques et de la société civile et des propositions que vous fait qui t'est capable permettre à ce que nous combattre l'insécurité, hein? Que ce soit et dernière volonté qui s'est exprimée là par peuple à lui-même
et aux côtés de la police nationale à travers le mouvement Bois Calais. Donc, ouais, gouvernement, il fait tout ça capable pour lui casser tout mouvement ça. Et il n'y a pas tant de conseils personne. Donc, il est juste à diriger le pays dans un contexte politique de pito non l'aide non là. Donc, ça veut dire gang yo, yo met continuer à violer les femmes tout partout dans le pays, massacrer la population et kidnapper et tout ça moun gen comme bien dans le pays, prendre contrôle territoire et côté pas de libre circulation, et puis gouvernement contenter lui-même pour le dresser constat que territoire ça c'est territoire perdu, eh bien tout ça prouve que programme non, donc c'est programme gouvernement lié, donc son service public, c'est ça gouvernement qu'a fait. Et c'est l'île vlait fait. Et ce gouvernement, ça, international l'a supporté. Donc, puisque son gouvernement qui gagne comme politique publique l'insécurité, le kidnapping, les massacres populaires, et puis au gagne Nations Unies jusqu'à présent, il fait comme s'il va comprendre ça, il est plus collaboré avec le gouvernement pour aider le bay gangio j'arrête, n'a pas songé Fédération gangio. T'es fait avec Madame Lalim et CNDDR. Et puis, n'a pas songé aussi toute tergiversation, Nations Unies avec l'OEA, les États-Unis comme premier tuteur, gouvernement ça qu'il a avec Canada, tout tourner en rond, il a fait. Donc, pour soi-disant offrir aide à Haïti, mais au fond, tout ça, il fait, toute action, il fait, au senti, c'est pour capable permettre à ce que chaos livine général en Haïti. Et c'est dans le contexte ça, pays Canada a annoncé que l'État mettait un bureau en République dominicaine pour coordonner aide, soi-disant, en matière de sécurité en Haïti. C'est la République dominicaine qui n'est pas d'accord. Et puis avec un pile voix en Haïti, telle que la voix de l'OPL qui dit non, bagay ça pas qu'à fait, parce que nous-mêmes nous comprenons très très bien. Donc l'idée pour Canada installer un bureau en République dominicaine pour ta coordonner aide et sous-sécurité en Haïti, hein, les répondre à une seule logique. Voilà, on t'a côté intervention, porte-parole, parti OPL là. Daniel Syriac, bonjour Mildred. Bonjour Sévère, bonjour Daniel, bonjour Marcel, bonjour toute auditrice à auditeur Radio Méga. Oui, Daniel Syriac qui dans le journal ça a dénoncé un décret antiterroriste gouvernement prend côté yo fait qu'on est yo pral combattre zam destruction massive comme quoi ta gen modèle zam ça dans pays d'Haïti. C'est une stratégie d'après porte-parole OPL là pour provoquer international là envahir pays à n'importe façon. Porte-parole OPL là précisé pays d'Haïti était toujours intéressé communauté internationale là parce que li chargé à richesse minière. Ma cité pour vous, il y a un instrument que pouvoir en place là, lui-même lui offrir pays impérialiste là, pour être capable de mettre Haïti sous tutelle tout bon. Et c'est dans le dernier décret que le gouvernement ça lui prend là. Il y a un décret par exemple qui portait sous combat, sous lutte contre terroristes. Et puis il y a metté un chapitre là dernier qui étonne, il a dit pour combattre les armes de destruction massive. Mais là, il y a un gouvernement. Pour entrer dans la législation, il y a un principe, il y a un décret qui reconnaît Haïti des armes de destruction massive. Vous comprenez qui ça fait là? C'est condition gouvernement réunie pour pays impérialistes, grande puissance, décider n'importe quel moment, il y a venu craser Haïti, il y a venu retirer la Haïti, sacrer la voix au chapitre là pour Haïtiens. Pas gagné du tout encore, ça veut dire pour yon baou occupation totale là. Or, occupation totale, ça, pas oublier que c'est nous haïtiens, c'est nous les nationaux, les patriotes, qui gagnent intérêt pour nous combattre. C'est pas des pays comme les États-Unis, c'est pas des pays comme le Canada. Yon même qui, chaque jour, yon dormi, yon réveillé avec yon souci pour yon rentrer, pour yon contrôle sol nous, contrôle territoire nous, pour exploiter les mines, les gisements d'or que nous gagnons, toute richesse naturelle que nous gagnons. Bon,
sous pas eux un prétexte que ou reconnaître que le pays a gagné des armes de destruction massive, eh bien l'école la gagne, chemin libre pour eux. Eh bien c'est là pour comprendre que pouvoir nous gagne là, gouvernement nous gagne là, son gouvernement qui n'a pas gagné pour eux avec haïtien, son gouvernement qui au service de l'ennemi, qui au service des étrangers. Alors, nous pas connaissons qui ça, étrangers au fait pour Ariel Henry. Nous pas connaissons qui ça au fait pour André Michel. Nous pas connaissons qui ça au fait pour Edbon, qui fait que, m'a parlé de Edbon Supplice Bozil, donc qui courait pour voir ça, qui kembel la cap servi intérêt international là, comme ça, qui fait que jusqu'à ce que pour pouvoir à l'aise, pour l'alphin international là, cadeau, ok, y ont cadre légal pour le capable rentrer en Haïti, vin exterminer Haïtien, j'enlever et puis pour le prendre contrôle territoire. Donc nous-mêmes, et au nom de l'OPL, nous te voulons dénoncer bagay ça et nous voulons le plus vite possible que... Voilà, on t'a écouté une autre intervention d'Agnew Syriac qui t'a préagi sous divers sujets. Nous allons parler question visite secrétaire général ONU en 1er juillet. Qui est-ce qui t'a recevoir, sous qui ça a été chita parlé, à qui est-ce qui t'a ouais. Nous avons venu avec information ça puisque tu as gagné diverses rencontres. Bon côté primature qui te soutient un communiqué dans la date ça. Le premier ministre Dr. Ariel Henry accompagné deux ministres gouvernement li et directeur cabinet a recevoir secrétaire général organisation Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans la résidence officielle. Li. C'était occasion pour premier ministre exposer appréciation secrétaire général ONU. Situation pays. Échange de Chita, notamment sous plusieurs points, insécurité, crise humanitaire, augmentation de cas choléra, insécurité alimentaire, élection générale. Secrétaire général a présenté visite à comme une visite à solidarité qui fait avec humilité. M. Guterres a souligné Nations Unies a mis tout en œuvre dans l'idée pour permettre Haïti relever. Dans sa cure avec la situation politique pays, chef gouvernement a précisé pour M. Guterres, consultation qui déjà entamée bon côté acteurs politiques et société civile dans l'idée pour capable élargir consensus national. Il a profité souligner toute importance implication ONU pour stabilité sécuritaire pays. Pour le ministre Ariel Henry, a également réitéré détermination équipe gouvernementale là pour mettre en branle le processus électoral là dans l'idée pour permettre avec le peuple là décider dans un avenir proche choix représentant lui dans différents niveaux postes électifs. N'a toujours été sous même dossier ça, mais fois ça, nous prenons avec secrétaire général ONU, Antonio Guterres. Oui, Jean-Wilner Severin, on rencontre avec la presse avant de quitter PIA dans le salon diplomatique là. Antonio Guterres a confirmé le Téchita parlé avec le premier ministre Ariel Henry, membre HACTA, avec acteurs politiques dans la société civile là. Diplomate là fait quoi? Il espérait capable de gagner un consensus qui joigne. Antonio Guterres a demandé à Téo mettre intérêt personnel sous côté pour jouer une solution crise là. Consensus là doit mener à un gouvernement unité nationale élargi HACTA d'après chef ONU qui précisait le pavin passer l'ordre dans le pays. L'itinamico Jean-Philippe Masséan. Mesdames et messieurs, près de deux ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers inter-haïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien avec une pleine participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. L'ABINU ainsi que tout le système des Nations Unies soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable.
Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens ce qu'ils doivent faire. Je suis ici pour les entendre et pour les encourager à un consensus établi le plus largement possible pour faire avancer le processus de transition. À mon avis, ce n'est pas aux étrangers de résoudre le problème haïtien, ce sont les Haïtiens qui vont le faire. Le rôle des Nations Unies, comme le rôle de CARICOM, le rôle d'autres institutions, c'est d'appuyer ce processus de dialogue, et c'était là un des objectifs de cette mission, et nous continuerons avec notre mission en Haïti, nous continuerons ce travail d'appui au dialogue pour le consensus. Je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la Transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois que il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti. Pendant une conférence pour la presse, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé quelques assez gagnants pour façon crise sociopolitique là, qui a un gros impact sur la vie population qui a souffert depuis quelques temps. Citoyens n'ont pas gagné de l'eau potable, n'ont pas gagné manger et la trier. Antonio Guterres dit qu'il regrette jusqu'à présent, c'est seulement 23% dans 720 millions de dollars l'argent qui était prévu pour supporter la population haïtienne qui débloquait. Il lance un appel à solidarité international en faveur pays d'Haïti. Secrétaire général des Nations Unies, dans le micro, Jean-Philippe Massé.